Après vous avoir parlé du HO-229 dans une précédente vidéo, nous vous proposons cette fois de découvrir un autre engin étonnant des frères Horton, le H-18, un bombardier à réaction conçu pour frapper New York. Si l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale est célèbre pour ses chasseurs et ses bombardiers en piqué, redoutables durant la Blitzkrieg, les bombardiers lourds ont longtemps été les grands oubliés des décideurs allemands. Pourtant, dès 1934, le général Walter Weber plaide en faveur d'un bombardier stratégique à long rayon d'action, capable d'attaquer les usines soviétiques de l'Oural. Mais son idée suscite peu d'intérêt au sein des hautes sphères de la Luftwaffe. À force d'insistance, il finit par convaincre le ministère de l'aviation du Reich, qui lance le 3 juin 1936 le programme Bomber A, qui donnera plus tard le HE-177. Mais par un coup du sort, ce même jour, Weber meurt dans un accident d'avion. Privé de son seul soutien politiquement puissant, le projet de bombardier stratégique perd de son élan, l'armée préférant miser sur des avions plus légers, plus faciles et plus rapides à produire. Les succès de la Blitzkrieg semblent confirmer ce choix. Résultat, le HE-177, premier et finalement unique bombardier lourd allemand de la guerre, ne vole pour la première fois qu'en novembre 1939 et n'entre en service dans la précipitation qu'en 1942. Mais comme vous le savez, l'espoir d'une guerre éclair s'évapore rapidement. L'Allemagne échoue à soumettre la Grande-Bretagne, le front de l'Est s'enlise et le 7 décembre 1941, les États-Unis entrent en guerre après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Dans ce contexte, en mai 1942, Hermann Göring lance le projet America Bomber. L'objectif ? Concevoir un bombardier stratégique capable d'embarquer 4 tonnes de bombes et de parcourir 11 000 km. L'idée est de décoller des Açores, bombarder New York et revenir sans ravitaillement. Bien sûr, l'objectif n'est pas d'obliger les États-Unis à capituler. Après tout, ça n'a pas réussi à briser les Britanniques. Mais les stratèges allemands espèrent que les raids forceront les Américains à investir massivement dans la défense aérienne de leur territoire, au détriment de leur soutien à la Grande-Bretagne, ce qui permettrait de faciliter les opérations de la Luftwaffe. De plus, sur les 21 cibles militaires identifiées, presque toutes sont des entreprises fabriquant des pièces d'avion, ce qui pourrait ralentir la production alliée. 5 constructeurs se lancent alors dans la course, proposant des projets allant des prometteurs ME-264 et JU-390 jusqu'au plus improbable, comme le bombardier suborbital Silberwogel. Mais le projet ne reçoit jamais le soutien nécessaire et se heurte à d'immenses défis. Un des principaux obstacles est l'incapacité des ingénieurs allemands à concevoir des moteurs fiables assez puissants pour un tel avion. De plus, Hitler lui-même, obsédé par ses fameuses armes miracles, accorde peu d'intérêt au développement d'un bombardier lourd. S'ajoute à cela une situation militaire et matérielle de plus en plus critique, ainsi que des bombardements alliés qui frappent au cœur même de l'Allemagne, si bien que les différentes propositions sont abandonnées les unes après les autres. C'est alors qu'entrent en scène les frères Walter et Reimar Horten. Contraints de céder leur projet de chasseur-bombardier H-9 à la société Gotha à la mi-1944, ils découvrent à la fin de l'année l'existence du projet America Bomber grâce à Siegfried Knemeyer, directeur de la recherche et développement de la Luftwaffe. Ils imaginent alors un engin fidèle à leur philosophie, le H-18. Comme toujours chez les Horton, il s'agit d'une aile volante, dont la parenté avec le HO-229 saute immédiatement aux yeux. Mais pour pouvoir emporter 4 tonnes de bombes jusqu'aux États-Unis, l'appareil est bien plus imposant. Il mesure 19 mètres de long avec une envergure de 40 mètres et une surface à l'air de 150 mètres carrés. Son poids à vide est de 11 tonnes et son poids maximal au décollage atteint 32 tonnes, dont la moitié rien que pour le carburant. Pour optimiser au maximum l'aérodynamisme et réduire la traînée, les Horton font un choix surprenant. Équiper l'appareil d'un train d'atterrissage largable, l'atterrissage se faisant sur des patins. Si ce n'est pas une idée nouvelle, on la retrouve déjà sur le ME-163 et même le HE-176, l'appliquer à un engin aussi imposant est pour le moins discutable. Côté propulsion, les Horton optent une fois de plus pour des réacteurs. Il faut rappeler qu'à cette époque, l'usage des turboréacteurs pour les bombardiers est encore très inhabituel.
Le premier bombardier à réaction opérationnelle, l'Arado AR-234, n'a volé qu'en juillet 1943. En comparaison, les Alliés sont très en retard dans ce domaine. Leur premier véritable bombardier à réaction, le B-45, n'apparaissant qu'en 1947. Les Horton prévoient d'équiper leurs engins de 6 turboréacteurs Junkers Yumo 4H, l'ultime évolution du Yumo 4. Ce modèle est bien plus puissant que ses prédécesseurs, avec une poussée de 17,7 kN contre seulement 8,83 kN pour le Yumo 4B2 qu'ils avaient déjà utilisé sur le H9. En contrepartie, il est aussi plus volumineux et bien plus lourd, passant de 1200 kg contre 745. Comme toujours avec les Horton, ces réacteurs sont intégrés dans l'aile pour minimiser la traînée. Sur le papier, les performances du H-18 sont impressionnantes. Une vitesse maximale estimée à 820 km/h et une vitesse de croisière de 750 km/h. À titre de comparaison, le meilleur bombardier lourd américain de la guerre, le P-29, atteint au maximum 575 km/h, tandis que le célèbre chasseur P-51 Mustang plafonne à 710 km/h. Donc en théorie, le H-18 aurait été plus rapide que n'importe quel chasseur allié de la guerre. C'est dire. Pour sa défense, l'appareil devait être armé de 4 canons MG-151-20 de 20 mm, 2 dans le nez et 2 dans une tourelle supérieure, arme couramment utilisée sur les avions allemands de la Seconde Guerre mondiale. Afin d'optimiser encore davantage l'aérodynamisme, l'équipage, limité à seulement 3 personnes, était regroupé à l'avant de l'appareil dans une cabine pressurisée. Les deux positions de tir étaient contrôlées à distance via des périscopes. Avec ses performances prévues, la conception du H-18 surpassait tous les autres concepts proposés jusqu'alors. Ainsi, le 12 mars 1945, le projet fut officiellement approuvé par Göring, et il était prévu que le premier prototype commence les essais en vol l'année suivante. Pour remettre les choses dans leur contexte, le 7 mars 1945, les Américains capturaient le pont de Remagen, franchissant ainsi le Rhin et avançant dans le cœur de l'Allemagne. Tandis qu'à l'est, les Soviétiques n'étaient plus qu'à quelques dizaines de kilomètres de Berlin. Göring ordonna alors que les frères Horton se rapprochent de Junkers et Messerschmitt, pour que la production du H-18 se fasse dans le complexe souterrain de Kala, en Thuringe, où Messerschmitt produisait déjà les ME-262 à l'abri des bombardements. Les ingénieurs de Junkers et Messerschmitt émettent cependant des doutes sur la conception initiale et proposent des ajustements. Notamment l'ajout d'une immense gouverne de direction sur le dos et le placement des réacteurs dans des nacelles sous la voilure. Dépossédés une nouvelle fois de leur projet, les frères Horton sont loin d'être ravis. Reimar en particulier s'oppose fermement aux modifications, soutenant qu'elles réduiraient les performances de l'appareil. Il décide alors de développer un modèle alternatif, le H-18B. Dans cette version, le train d'atterrissage est logé dans des nacelles sous les ailes, ce qui semble bien plus fonctionnel que le train d'atterrissage largable. Le nombre de moteurs est réduit à 4 contre 6 à l'origine et placé dans des nacelles du train d'atterrissage. Il est également possible que les réacteurs Yumo 4H soient remplacés par les HES-11, que l'on retrouve sur presque tous les projets de jets allemands de la fin de la guerre. En théorie, le HES-11C avait une poussée légèrement inférieure au Yumo 4H, mais il était plus efficace, consommait moins de carburant et avait une durée de vie plus longue. Toutefois, il ne fut jamais terminé avant la fin de la guerre, ça reste donc théorique. Reimar estime également que, compte tenu de la grande vitesse de l'appareil, il serait extrêmement difficile de l'intercepter et juge donc inutile d'équiper le H-18B d'armement défensif. Au vu du nouveau profil aérodynamique, il semble certain que le modèle B aurait des performances inférieures à celles du modèle A, mais il paraît également plus fonctionnel. La production était prévue pour commencer à l'automne 45, mais la guerre prend fin avant que le projet n'ait pu avancer réellement. L'Allemagne capitulant le 8 mai 1945, à peine 2 mois après le lancement officiel du projet. Concernant les frères Horton, plusieurs semaines avant que le projet H-18 ne soit approuvé par Göring, Reimar avait discrètement, sans même en informer son frère, pris des mesures pour transmettre leurs travaux aux Alliés à leur arrivée à Bonn. Son objectif était de sauver leurs recherches et de poursuivre ses travaux après la guerre.
Ainsi, au même moment où le projet H-18 était lancé, une équipe de renseignement anglo-américaine récupérait tous les travaux des Horton, du H-1 au H-12. Finalement, Reymar est fait prisonnier le 7 avril 1945 par les troupes américaines à Nordhausen, où il préparait la production du H-18, tandis que Walter est capturé à Göttingen. Durant la progression, les Alliés découvrent un certain nombre de prototypes Horton. Le HO-229 est ainsi envoyé aux États-Unis dans le cadre du programme de récupération technologique Seahorse. Les Britanniques organisent également plusieurs opérations de ce type en 1945, durant lesquelles les Horton sont longuement interrogés. Bien que les Britanniques envisagent un temps de concevoir un avion de ligne basé sur le H-18, l'idée est finalement abandonnée. Reymar tente pendant plusieurs années de poursuivre ses travaux, contactant tour à tour des sociétés anglaises comme Feiray, américaines comme Northrop, françaises et même chinoises, mais sans succès. En 1948, il décide de partir en Argentine, pays qui cherche à profiter de la situation pour récupérer chercheurs, ingénieurs et militaires expérimentés. Là, il conçoit pendant plusieurs décennies des avions pour l'Instituto Aerotecnico de Córdoba. Après sa retraite en 1977, il continue à travailler comme consultant pour Nordflügel Flugzeugbau. Il décède le 14 août 1993 et reçoit à titre posthume la médaille d'or de la Royal Aeronautical Society pour sa contribution au progrès de l'aéronautique. De son côté, Walter, qui avait également tenté en vain de rejoindre Northrop, resta en Allemagne. Il travailla un temps dans le charbon avant de contribuer à la création de la nouvelle armée de l'air allemande au milieu des années 50. Mais pour des raisons politiques, il quitte l'armée en 1970. Il meurt le 9 décembre 1998, quelques mois seulement avant la première utilisation au combat d'une aile volante à réaction dans l'histoire, lorsque des bombardiers B-2 américains participent à la guerre du Kosovo. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.